Et salut à tous, c'est... Oula. Qu'est-ce que j'ai obligé de... Oula, je... Et tout à fait. C'est un petit tour de la mais bon salut à tous, c'est Peter, on se retrouve pour ce qui sera probablement le dernier épisode d'Endless Ocean 2 parce que là nous allons retourner dans la caverne des dieux, découvrir le trésor et c'est tout. C'est voilà, mer rouge. Oula. Dolphin qui bug pas mal là aujourd'hui, dis donc. C'est parti. Quel va donc être le fameux trésor? Bah, on va tout de suite le savoir. En retournant dans la caverne des dieux. J'ai toujours adoré les musiques moi dans ce jeu. C'est reparti, vu qu'il n'y a plus les courants, on va pouvoir se balader sans problème. C'était le mécanisme. Ah, pourquoi je suis toute seule aussi? Pourquoi je peux pas y aller avec mon dauphin quoi. Genre, je serais allé au moins un peu plus vite, mais. Qu'est-ce qu'on a là? Non, là, il me semble que c'est un cul-de-sac, mais... Même pas, je crois avancer comme je veux. Ouais, c'est ici que le truc a avancé. Tel Dorus. Grand traître de Warhammer 40 000.
Bah, j'ai déjà perdu. J'aurais peut-être dû acheter le matos pour réguler un peu mieux la. Pour un peu mieux réguler la respiration dans les zones profondes. Ouais, ils étaient déjà tous là à m'attendre. Je pense qu'on n'obtiendra rien en leur parlant. Désolé, là je parle pas beaucoup, j'apprécie la musique. Qu'elle va très bien avec l'ambiance là. Curieux de voir ce qu'on va trouver. Là, normalement, ouais, c'est un cul-de-sac. Tu sais que ça. Ah oui, un requin tapis. Là, il n'y a rien. Et là, il y a encore une peinture murale. Bien différente cette fois-ci. Truc qui brille ici. C'est un peu nul là, par contre. Ça y est, la pièce centrale est à nous. C'est vraiment très nul là sur le coup. Ça c'est joli. Ah, on dirait bien les pièces là des pyramides, j'ai oublié le nom à chaque fois. Juste au-dessus. Une autre pièce au-dessus. Bon. On va voir ce que ça donne. D'abord, je vais savoir ce que c'est que ces machins.
important à dire que. Oula, laissez parler, j'ai. Un mécanisme caché, mon sixième sens de chasse. Oh oh, je crois qu'on a un petit problème. C'est quoi ces machins, sérieux? Il n'y a aucun lutin, sans très rien en plus, c'est ce que j'ai lu, sans très. Bon. Aïe, je vais prendre un coup de queue. Il y a lui qui monte. Ils sont calmés, c'est bon. Porte. Merde, on fait applaudir l'artiste. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Pas expert moi en pyramide donc si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, il y a même glorieux. Wow. Dessinez-le. Moi je dis on l'utilise parce que. Manquerait plus qu'il se passe rien, tiens. Et il ne se passe rien. Oh non, pas encore. What? Regardez-moi ce monstre! Il est sérieux, il nous a bloqué ici. Calme-toi. Aïe. Ils sont tous les trois sur moi aussi, putain. Je vais quand même les calmer.
d'examiner la statue, d'accord, mais laquelle? Et non, putain. Et où est-ce? Bon, ça c'est le scarabée, c'est fait. Troisième statue qu'on puisse partir d'ici pour de bon. C'est bon, ça y est, on est tranquille. D'accord, donc il y a deux portes. Machin. Je sais, les endroits où c'est toujours d'immenses yeux fermés, et ces rues ne sont pas exceptionnelles. C'est une belle chambre d'inventer les soins. Étudier ça, moi. Dragon criant. Ouais, moi, j'ai pas super comme. Donc, il y a cette troisième porte, normalement. Il y a une pièce ici, mais comment on peut y accéder? Ouais. Question idiote, ça. Waouh, qu'est-ce qu'elle fait?
La porte est ouverte. Le trésor est à nous. Voilà, décor est... Waouh. Statue de 10 mètres en or massif. On a trouvé le trésor, ouais. Ce coup justement nous avons de la radio. À peu près 10 minutes si je le prenais. Bon, et le trésor. Non, je veux pas le laisser ici. Ah, oh, GG, faudra. Désolé, mais faudra revenir une autre fois. Je sais que tu veux à tout et partir avec, mais on ne peut pas. Je suis du mauvais côté, ça m'a fait perdre un temps précieux, mais bon. Simplement, oui, ça aurait été trop facile. Là, là c'est un cul-de-sac. Quoique. Non, oui, c'est un cul-de-sac, j'ai rien dit. Mais je veux pas, il n'y a pas moyen de nager plus vite. Oh merde. Je peux pas revenir par ici. What? J'ai eu du mal à suivre là. L'autre côté de la salle des piliers, il doit y avoir une sortie. Ah bah oui, la peinture murale. Mais j'ai plus beaucoup de temps. Jolie méduse et joli dauphin. J'ai pas le temps de sympathiser avec ça, moi.
Oula, j'ai du mal à suivre. Dites-moi que ça ouvre la porte. On va pouvoir partir d'ici, oui. Oula, un problème avec la radio. Bah, caverne des dieux, plus rien. C'est tout mouillé, il restait 5 minutes. Hein. Pendant ce temps, je crois qu'il allait devenir fou pendant ce temps. Alors, qui nous parlait pendant tout ce temps? Faire les choses à moitié. Ouais, ah, faut croire que c'est pas fini en fait. Ok, alors ça c'est que soit ce petit texte était soit qu'il y avait une suite, soit que il y a d'autres missions derrière. Bon, écoutez, ça a été vraiment sympa de rejouer à ce jeu malgré pas mal de problèmes vu que je suis sur émulateur. Mais comme j'ai dit hein, au début de Endless Ocean 1, hein, depuis que la Wii U est sortie, on ne peut plus rien faire sur la Wii. Et je suis bien passé pour savoir parce qu'on en a une de Wii et c'est une horreur. Bon, après, il y a peut-être des exceptions à la règle, mais... Bon, ce jeu, au final, donc, il est sympa, graphiquement, c'est correct, et... Bon, le scénario est un peu trop prévisible, mais... Un jeu peut pas être parfait, ça... C'est une dure réalité. Il n'y a pas moyen de passer ou de l'accélérer. Bah, j'hésite à couper le temps que... Ouais, je pense que je vais couper, là. Même si la chanson est magnifique, mais bon. Oui, bon. J'ai eu raison en fait de vous couper le générique parce qu'il y a eu plein de bugs audio. C'était une catastrophe. Sa solution, nous allons devoir travailler comme des fous pour mettre. Hop, j'enregistre quand même. Précaution.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je pense que je vais arrêter le jeu ici. Bon, je ferai peut-être une vidéo si jamais j'arrive à débloquer les fonds nécessaires pour retourner dans la caverne des dieux. Mais bon, je pense que l'épisode en question ne sera pas là avant un petit moment. Allez, salut!